Johan Taba est un buteur français évoluant au PSG depuis 2017. Dès l'âge de 16 ans, Taba confirme son statut de jeune pépite avec l'équipe U19. Il intègre l'équipe première à 18 ans, et fait un carton dès sa première saison en marquant 26 buts en 54 matchs. Il remporte la Ligue 1 ainsi que le trophée du meilleur buteur de Ligue 1 en une seule saison. Il enchaîne les matchs avec Paris et étoffe son armoire à trophées. En 271 matchs, il signe 158 buts et 76 passes décisives, devenant un joueur clé de l'équipe. Il parviendra même à atteindre le podium du Ballon d'Or lors de la saison 2018-2019, mais son équipe s'inclinera plusieurs fois en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui ne lui facilite pas la tâche. À la fin de la saison 2019-2020, alors que le joueur est à son top niveau, 37 buts en 57 matchs, il se retrouve mêlé à un scandale et sera la cible de nombreuses critiques. Un fan ira même trop loin en lui tirant dessus avec un lance-missile à la sortie de son hôtel. Pourtant, Johan survécut à l'incident. Alors qu'on lui prédisait une fin de carrière, il retrouvera les terrains l'année suivante, comme si le destin avait fait de lui un enfant miraculé. Enfin miraculé pas trop en vrai de vrai, parce que l'année suivante il se fera exploser par une mine antipersonnelle disposée dans sa case. Lors de son enterrement, il se fera rouler dessus par un char d'assaut et la famille ne put jamais retrouver son corps. Plutôt molle enfin bref bye.